vont devenir tous ces jeunes qui périssent en prison, condamnés par Babylone. Que vont-ils devenir? Que leur réserve l'avenir et les jours à venir? Je t'avoue que je me questionne. Nekma, reviens parler. Que vont devenir tous ces jeunes qui périssent en prison, condamnés par Babylone? Que vont-ils devenir? Que leur réserve l'avenir et les jours à venir? Je t'avoue que je me questionne. Nekma, reviens parler. Nous sommes à l'aube de l'an 2000 et pourtant peu de choses ont changé. Toujours autant de jeunes derrière les bords des pénitenciers. Ces gens-là, j'en vois une pensée. Hélas, garde, je gardienne parler. Même si un délit est un délit, quand c'est fait, c'est tant pis. Soit ça passe, soit ça casse. C'est libre, c'est là son prix. Nous connaissons les raisons qui poussent à agir ainsi. C'est ni le pouvoir ni la gloire, c'est seulement la survie. La monnaie dirige le monde et tous les jeunes l'ont compris. Chacun se débrouille comme il peut, à chacun son sevi. Beaucoup prennent des risques et puis terminent en zombie. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça finit. L'État ne te laisse aucun sursis. Puis la main dans le sac, ils te mettent en collet. La liberté se paye, mais je me demande à quel prix. Pour un simple larcin, on t'envoie à Vren, Oni ou Bois d'Arcy. Mais que vont devenir tous ces jeunes qui périssent en prison, condamnés par Babylone? Que vont-ils devenir? Que leur réserve l'avenir et les jours à venir? Je t'avoue que je me questionne. Nekma, reviens parler. Que vont devenir tous ces jeunes qui périssent en prison, condamnés par Babylone? Que vont-ils devenir? Que leur réserve l'avenir et les jours à venir? Je t'avoue que je me questionne. Nekma, reviens parler. Trop de jeunes sont enfermés. Pour un rien, trop de libertés sont enlevées. Les juges exagèrent, sont trop acharnés. Abandonner des jeunes qui n'ont pas violé, qui n'ont pas tué. De quel droit un homme peut-il décider d'enfermer des gens pendant plusieurs années? Il y a un Dieu et à lui seul de juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les sanctions sont trop dures, ça pose d'autres solutions que celle d'envoyer les jeunes périr en prison. Y'a rien de positif à être en détention. Elle est suivie de réinsertion, tout ça c'est du. Que vont-ils devenir? Que leur réserve l'avenir et les jours à venir? Je t'avoue que je me questionne. Nekma, reviens parler. Que vont devenir tous ces jeunes qui périssent en prison, condamnés par Babylone? Que vont-ils devenir? Que leur réserve l'avenir et les jours à venir? Je t'avoue que je me questionne. Nekma, reviens parler. C'est pas de son prix, c'est la peine qu'un paco a pris. Pas de remise de peine ni de sursis. Pourtant j'étais qu'un simple délit. Ça fait maintenant moi qui l'ai détenu dans cette prison. S'écrire des lettres est notre seul moyen de liaison. D'ailleurs dernièrement il m'a envoyé un courrier. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'il m'a raconté. Il me dit que d'être enfermé c'est pire que d'être en enfer. Toutes ces journées sont semblables, il n'y a vraiment rien à faire. Depuis sa détention il vit au ralenti. Le temps paraît plus long, la journée comme la nuit. Il me dit c'est comme dans la rue, c'est la loi du plus chiant. Mais comme dans la rue tu dois coumer pour te faire respecter. Lui la chance qu'il a eu c'est d'être béton à haut lit. Y'a plein de mecs de gare charcelle et quelques pincos à lui. Et il finit son courrier en me disant de ne pas s'oublier.